tout le monde, ici Warley pour vous servir. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Natural Magic Plus. Et bah en fait là je tourne le deuxième épisode, en fait le dernier que j'ai fait n'est pas encore monté ni même sorti du coup, évidemment. Et du coup j'en tourne un d'affilée, en espérant ne pas avoir de problème de son avec mon micro. J'espère vraiment. Enfin bref, on va manger un petit coup là. Tac. Il me semble que j'avais oublié de vous dire un truc dans le dernier épisode, mais je ne sais plus quoi. Peut-être que ça me reviendra plus tard. Donc regardez, je me suis crafté une arbalète. Avec des cobalt balls. Hop, ouais. Elle est sympa. Mais, voyez le temps qu'elle se recharge. Je sais pas, j'en suis pas sûr. De toute façon, j'avais envie de me faire toutes les armes de Tinker. Donc ce qu'on va faire là, c'est que, bah déjà, je vais vous mettre tout de suite l'accéléré de mon craft de mon arbalète. Je vous mets le craft et je vous explique après. A tout de suite. Re les amis, du coup, alors, donc vous avez vu l'accéléré, vous avez vu, et vous avez vu le craft des cobalt balls, qui sont un peu spéciales en fait. J'ai expliqué ça parce que j'ai eu du mal à trouver. L'arbalète, rien de spécial, hein, vous faites les... Re, petite coupure, désolé. Donc je disais, oui, je me suis fait une arbalète, et je vais vous expliquer le craft des flèches qui sont un peu compliquées. Pas compliquées, c'est juste que j'avais jamais fait, du coup je vous l'explique. Alors, ce qu'il vous faut, c'est une tool rodcast. Qu'on se fait au départ pour se faire la pioche par exemple. C'est simplement un stick. Donc on peut faire en pierre, on peut faire en n'importe quoi. Moi je les ai fait en manuline pour qu'elle soit plus résistante. Et je sais pas exactement ce que ça vaut. Ah bah regardez. Je viens de voir ce que ça vaut. Plus 3 points d'attaque, plus 3 points d'attaque, plus 4 points d'attaque. Apparemment il vaut mieux les faire totalement en manuline. Moi je m'étais fait des manulines et cobalt. Ça me paraissait bien. Mais apparemment c'est pas l'idéal. Est-ce qu'on peut les... Non, on peut pas les stack ensemble. Vous voyez que ça en craft pas mal. Hein. Et bah écoutez, je vais prendre celle-là. Et je vais en refaire en manuline du coup. Du manuline, j'en ai dedans. Donc ça devrait aller. J'avais prévu de faire mon arc avec. Donc j'en refasse du manuline. Hop. Un lingot devrait suffire, je pense. Hop. Donc un stick en manuline. Vous prenez votre stick. Tac. Et vous le mettez sur votre top tinker. Vous faites couler le manuline dessus. Vous voyez ce que ça fait. Et ça va se... Hop, allez, go. Enfin, allez, touche-toi. Ok. Vous voyez que ça fait une manuline bolt. Donc ça fait une pointe de flèche en quelque sorte. Et il vous suffit de prendre des plumes. Vous voyez que j'ai des plumes là. Je m'en suis déjà fait là. J'ai des phasers, voilà. Et vous prenez avec le... Hop, je vais vous montrer ça. Celui... Il est où? C'est celui-là. Fletching pattern. Vous faites ceci. Vous mettez des plumes. Et voilà. Ça en craft 1. Une plume égale un phaser fletching. Hein, donc, pas très cher. Hein. Hop. Vous mettez là. Vous prenez votre fletching. Vous mettez votre pointe de flèche. Et voilà, vous avez 300 flèches. Donc déjà, avec 300 flèches, vous êtes bien. Hein. Hop, on va ranger ça là. Et voilà, donc pour le craft des flèches d'arbalète. Sinon, je vais rajouter des modifieurs, donc je lui ai mis auto-répare pour qu'elle se répare automatiquement. Je lui ai mis 3 fois de la redstone pour qu'elle aille plus vite, pour qu'elle se recharge plus vite, mais j'ai l'impression que ça me paraît quand même pas assez rapide, mais bon. Ah, il faut que je reprenne mes. Vous pouvez pas récupérer vos flèches si vous les avez pas les mêmes dans votre inventaire, regardez. Hop, voilà. Et vu que c'était une flèche comme ça que j'avais chargée et pas une en manuline. Hop, voilà, là c'est une manuline, hop, je récupère. Comme les arcs. Et donc, vu que je suis pas convaincu à 100%, je me suis dit que j'allais me crafter un arc. Un arc, et ça c'est 1,5. On va mettre 2 lingots de cobalt. Vous allez voir pourquoi. Et donc, je me suis crafté les patterns pour l'arc. Il y en a un là et un là.
Et je me suis fait la ficelle avec ça. Ça, c'est des ficelles qu'on récupère sur les araignées du laser. Je vais vous montrer aussi comment on fait. C'est encore avec un pattern, c'est avec ce pattern là. Vous faites ceci. Et ça vous fait une corde qui a, je pense, Fire Aspect directement, gros. Pas Fire Aspect, mais Flame. Mon arc aura Flame. Sauf que j'ai fait ça sur mon arbalète et j'ai pas l'impression que ça ait marché. Peut-être que ça marche pas sur la balette, on va voir, hein. Alors, voilà. Je me suis fait ceci, c'est pour mon arc. Je vais me crafter l'arc avec vous. En manuline, il faut 8 éléments. Donc avec 8, toc, c'est bon. Et d'ailleurs, il me manque un cobalt, je crois, si je dis pas de conneries. Deux ingots. Oui, il me faut 3 éléments. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque rien. Il faut que je voie comment on crafte les flèches, c'est ça que j'ai oublié. Les flèches, du coup, il y a des têtes de flèches, donc ça, on va se le faire automatiquement. Voilà. Tac, les flèches elles sont là. Il faut une tête de flèche, un stick et des plumes. Ça, c'est des plumes. Et écoutez, on a bien fait de se faire des plumes. On va faire full manuline du coup. Et la tête de flèche, je vais regarder comment on l'a fait normalement. Ok, c'est normal. Faut juste faire le pattern en or. D'ailleurs, j'ai pas d'or dans mon truc. Non, je vais en prendre vite fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, je me suis juste rajouté un petit tas, un petit canapé ici. Il y a une chèvre qui vit là depuis je sais pas combien de temps, là, elle veut pas partir. Et voilà. Du coup, j'ai juste rajouté ça. Je me suis rajouté une petite map aussi. Là. Je me suis mis une petite map. Là, c'est chez nous. Là, c'est le truc à chocobo. Et derrière, nos champs. D'ailleurs, avec un nouveau carré qui vient d'apparaître, parce que je viens de faire des graines d'ardite. Et notre petit village, avec l'autre enclos, tout ça. C'était sympa, je vais faire ça un petit ça tranquille. Entre les deux épisodes, j'ai fait ça. Hop, on prend nos deux lingots, suffiront. Ah, ça bug un peu des fois. J'ai beau cliquer qu'une fois vite, ça me donne deux lingots. Deux lingots. Du coup, là, j'en avais trois. C'est pas grave. Hop. Tac. Ah, j'ai aussi augmenté mes enchantements sur mon armure. Je l'ai passé en protection 4, apnée 3, magie résistance 3, solidité 3, affinité aquatique. Sur celui-là, j'ai rajouté solidité et affinité aquatique, je crois, il avait déjà les autres. Lui, pareil, protection 4, solidité, magie résistance et épine 2, j'ai rajouté épine 2. Protection solidité 1, il faut que j'arrive à avoir un solidité, j'en ai pas encore eu. Et A2, chute amortie 4, protection 3, solidité 3. Donc, vraiment, mon armure est très sympa. Du coup, ma bibliothèque commence à s'étoffer de livres. Hop là. Comme vous pouvez voir, je commence à avoir plein de livres. Là, c'est des tranchants. Là, c'est des soul stealers, j'en ai plein. Ça c'est des puissances, ça doit être des efficiency. Et là j'ai plein de ça. Là c'est quoi? C'est magic protection, recul. Vous voyez, j'ai mis un livre par case quoi. Un enchantement par case, voilà. Et donc voilà. Donc ça dure faire cuire mon or. Voilà, parfait. Paf. On va mettre notre pattern que j'ai complètement oublié de faire, bien sûr. Hop, alors déjà on va récupérer ça. Ceci c'est pour notre arc. Hop, le manuline, je rappelle, là c'est un cobalt et un lingot égale un lingot de manuline. Donc, notre tête de flèche, combien il faut d'éléments? Il faut un élément. Bah, regardez, on a deux petits stone shards là. Hop, des restes. Et c'est parfait. C'est parfait. Tac. Faut arranger ça là. Hop, on commence à avoir pas mal de patterns. Hop. Tac. Et on va faire couler l'or. Comme ça, on aura notre pattern. On pourra faire notre tête de flèche en manuline. Et d'ailleurs, j'ai pas assez de manuline, je pense. Combien il coûte un génie? Hein, j'ai dit. Eh ben écoutez, on va mettre le tout le rod à cuire. Normalement, il fait 0,5. Ah, oh, je sais pas si ça suffira. Maintenant que j'ai des graines d'ardite, ça va aller. Je peux faire du manuline autant que je veux, c'est pas un souci. Hop. Ah oui, alors ça, dans ma barre d'outils, vous voyez que j'ai plus mes sorts magiques. Vous dites mince, j'ai plus, mais je suis plus magicien. Bien sûr que je suis magicien. Regardez. Hop. Mes sorts magiques sont là. Ah oui, ça aussi, j'ai oublié de le faire quand même pendant l'épisode. J'ai complètement oublié de renommer mon sort. Du coup, j'en ai refait un, le même. Exactement le même. C'était vraiment facile à crafter, donc je l'ai refait. Et je l'ai renommé Sapik. Et j'ai changé son skin parce que je voulais pas qu'il ait le même skin que l'excavator. Donc voilà. Et voilà. Et donc oui, là, regardez, je me suis fait cette ceinture de Tinker. Et en appuyant sur un bouton, et ben c'est fait que j'ai deux barres. Hop, vous voyez, j'ai ma barre de magie et ma barre d'outils. Donc c'est quand même bien pratique. Alors je m'habitue à l'utiliser, mais ça c'est vraiment cool. Alors, oui, alors, voilà.
On va se crafter. Alors là, on a fait ça. On va quand même se crafter d'abord l'arc. Hop. Et je voudrais le faire, ces parties-là, je voudrais faire les deux en cobalt. J'aurais bien aimé faire une partie en tomium, mais j'en ai plus. Mais j'en aurais, c'est facile à faire pourtant avec Tomcraft. Mais je n'ai pas encore attaqué Tomcraft et je vais pas tarder à l'attaquer. Donc ça, l'arc est crafté. Ouais, en gros, l'arc est crafté. On va mettre ceci. Et là, ça va nous faire que c'est parti sur le manuline. Très bien. La pointe de flèche. Hop. On a notre pointe de flèche. Tac. On va voir comment ça se craft. Donc, du coup, apparemment, il faut une plume. Et le stick en manuline, je l'ai viré. Ah, mais je suis un idiot. J'ai viré le stick. Je suis un idiot. Un lingot qui reste. C'est parfait. Ah non, il faut 0,5 pour ça, je crois. C'est pas grave. Tac. Comme je disais, le manuline n'est plus un problème. Donc, on va se crafter l'arc. Comme ceci. 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 Et ceci. Et voilà notre arc. Qui a renforcé de 2 et qui fait plus 4 points d'attaque. Ce qui est. Je sais pas. Je ne sais pas. Ok, c'est cool. Hop. On se fait les flèches. Bim et bim. Et c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai raté? Ok, re les amis. En fait, pour les flèches, il faut pas faire de stick spécial apparemment. De ce que j'ai vu, c'est forcément un stick en bois. C'est pour ça. Voilà, très bien. On prend nos flèches. On a notre arc. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ouh, il est beau. Ah, c'est super bon chargé. Ah, c'est un peu comme le. Mais après, je peux spammer, quoi. Ah, je peux pas? Oh, je peux pas lâcher plus tôt? Ah, si, je peux lâcher un peu plus tôt. Ok, d'accord. Bon. On va l'améliorer. Écoutez, on l'aura fait. Je ne sais pas si j'en aurai une grande utilité, du coup. On verra. On verra niveau puissance. On va augmenter la vitesse de visée. Hop. Au moins de 2. Après, je rajouterai des modifieurs. Vous voyez comment je fais. Comment je fais mes outils. Je vous avais montré au début. Mais... Voilà, c'est plus rapide là. Là, c'est plus rapide. Et je pourrais augmenter encore. Hein. Je pourrais augmenter encore. Sauf que j'aimerais bien aussi augmenter un peu les dégâts. Et les dégâts, on les augmente vraiment avec le quartz. Je vais me prendre 3 stacks de quartz. Je vais reprendre du ça, ça, ça. Et une pomme. Une pomme, j'ai dit. Ok, j'ai pris beaucoup trop de minerais, mais c'est pas grave. On va rajouter des modifieurs, on va faire tout ça. Alors, hop. Non, pas hop. Je fais n'importe quoi. Il va me falloir. Et j'ai pris qu'un stack d'or et ça suffira pas. Ah, quel idiot. On rajoute un modifieur comme ceci. Et, ok, j'ai été chercher de l'or du coup. Hop. Et on se fait une Note Chapel. Voilà. Plus un bloc de diams. Coûte un peu cher le deuxième, mais on a de la ressource. Et on y met notre arc. Et on a encore un modifier de plus. Ce qui fait que je peux encore augmenter la vitesse. Hop. Tac. Je vais lui mettre. On va faire des blocs de quartz, vous voyez. On va lui mettre plus de dégâts. Alors, combien je peux aller? Je peux y aller apparemment. J'ai de la marge, donc vous voyez que là, attaque 2,5. De base, il fait 2, je crois. Et avec ça, il fera 2,5. Là, il fait 3. Et hop, hop, parfait, 3,5. Ce qui est plutôt pas mal. Mon arbalète, elle est à combien? Elle est à 4. Ok. Est-ce qu'on augmente encore la vitesse ou est-ce qu'on augmente les dégâts? Sachant que j'ai plus qu'un seul remédiaire. La vitesse. On est pas mal. Chargé à fond, ça doit faire bien mal. C'est assez long à recharger quand même, hein. C'est dommage. Oh, j'ai bien envie d'augmenter les dégâts quand même, hein, histoire de bien faire mal. Quitte à recharger lentement, autant bien faire mal. Et là, on va passer à 4 cœurs. On va refaire des blocs de quartz. Toc. Toc. Il y a sûrement d'autres trucs que j'aurais dû rajouter, mais moi je fais à ma. Je fais comme je le sens. Hop, 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 hop.
Ouais, c'est bien ce que je pensais. Tac. Et voilà. Et a fait, j'ai pas fait gaffe, du coup, 5 cœurs de dégâts. Plus les dégâts de la flèche. Waouh. Tu vas faire super mal. J'aurais bien. On va le tester de toute façon, mais dans le prochain épisode. Écoutez, on a une barre d'outils vraiment sympa là. Vraiment, vraiment sympa. Je vais aller ranger tout ça. Et écoutez, cet épisode va peut-être être un peu court. Oui, cet épisode va être un peu court, je suis désolé. Mais je dois partir. Du coup, ce sera un épisode vraiment court. Désolé, je m'arrêterai la prochaine fois. Mais en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit pouce rouge, c'est comme vous le souhaitez. Un commentaire du moment qu'il est constructif, positif ou négatif, c'est pas un problème. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé. Bye bye tout le monde!